Et les voilà partis pour ce groupe 1 réservé aux chevaux pur sang arabe. Qatar Cup, le prix Dragon, 2000 mètres à parcourir. Avec Ale Al-Magan qui a pris un excellent départ et est venu s'installer tout de suite aux avant-postes devant le numéro 6, Reda qui vient deuxième. Alors que le numéro 5, Gazouane, est en troisième position à l'extérieur, suivi par le numéro 4, Yazid. C'est la Kazakh Grenat à poids blanc qui vient pour l'instant à la corde. Alors que l'on retrouve également le numéro 7, Cham, qui galope en léger retrait et en tout cas à l'extérieur. C'est le numéro 3, Taïf, qui se retrouve à l'arrière-garde, accompagné par le numéro 2, Zikrit. Et toujours ce numéro 1, Ale Al-Magan, qui anime avec en deuxième position le numéro 6, Reda. À une longueur plus loin, on retrouve le numéro 5, Gazouane, qui vient encore devant le numéro 4, Yazid, qui vient à la corde. Les favoris qui sont à la même hauteur. On retrouve ensuite Cham, qui est dans la deuxième partie du peloton, devant le numéro 2, Zikrit, Kazakhrist, Grenat, qui est toujours en avant-dernière position. Et le numéro 3, Taïf, qui ferme la marche. Ils sont maintenant au bas de la descente de la grande piste. Ils se dirigent maintenant vers la fausse ligne droite, avec toujours le leader, le numéro 1, Ale Al-Magan, qui anime avec une longueur d'avance sur Reda, Kazakh bleu, qui est en deuxième position. En troisième position, on retrouve le favori, c'est le numéro 5, Gazouane, qui vient à son extérieur, alors que le numéro 4, Yazid, est toujours à la corde devant Cham, accompagné par le numéro 2, Zikrit, et par Taïf, qui est toujours en dernière position. Ale Al-Magan, qui anime toujours avec Jean-Pierre Guillambert, avec toujours à son extérieur le numéro 6, Reda, qui maintenant accélère à son tour, alors que le numéro 7, Cham, vient maintenant de plus en plus vite à l'extérieur pour entrer dans la dernière ligne droite. Cham qui part de loin maintenant, mais on tente de lui résister avec le numéro 5, Gazouane, à son extérieur, alors que le numéro 4, Yazid, dans le sillage des premiers, les favoris qui sont pour l'instant derrière le numéro 7, Cham. Cham qui se relance maintenant avec le numéro 4, Yazid, de mieux en mieux à son extérieur, avec le numéro 5, Gazouane, qui est en troisième position. Cham pour la victoire avec Yazid, le numéro 4, qui vient de mieux en mieux. Yazid qui a pris la mesure de Cham, qui se défend bien toujours à la corde et qui essaie maintenant de se relancer à l'intérieur. Yazid, Cham pour la victoire. Yazid qui a pris le meilleur, Yazid qui va triompher. Cham est deuxième, troisième place pour le numéro 5, Gazouane. Le numéro 3, Taïf, a terminé quatrième devant le numéro 2, Zikrit.